hear me. I'm a dwarf, one of your sons. I dwell in the caves, those same ones that you warm with your life stones. We call them stars. The stars lit our homes for ages. Beams from the Red Star unify the strongest of our clan, who endlessly mine ore to forge the best weapons and tools for all the kingdoms. The Yellow Star lights the engineer's creation, a huge drill city, an enormous machine which never stands still. Under the Blue Star, the disciples gather and protect the ancient, secret knowledge, performing spiritual practices. However, the stars almost went out. Our kin will fall into darkness soon, which means we are on the brink of extinction. And so, three dwarf kingdoms united to save us all. The state rulers chose the very best of the dwarves to journey on a dangerous mission to find a place where we could start life anew, another star. But the journey went terribly wrong. We faced horrible obstacles in the depths of the world and nearly fell to our deaths. Eh bien salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte après avoir vu la petite vidéo d'introduction. Nous sommes sur We Are the Dwarfs, un jeu édité développé par Whale Rock Games qui est sorti le 26 février 2016. Donc nous sommes à la manette, on va découvrir ce petit jeu ensemble. Les points d'exploration vous aident à obtenir des informations sur les objets environnants. Certains points peuvent être trouvés dans l'environnement alors que d'autres n'apparaissent qu'après avoir tué certains ennemis. D'accord. Très bien, je dois repérer les alentours avant de poursuivre. Ok, donc il y a pas mal d'informations à avoir. Les senseurs des ennemis visualisent leur sens. Un personnage peut voir, entendre et toucher. La taille des senseurs dépend de l'état mental d'un individu. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, si j'appuie sur X, je peux faire ça. Est-ce que je peux le recharger? Je peux pas le recharger. Pourquoi? Ah ouais, d'accord, il y a un countdown à prendre. Oula. Oula, d'accord, il y a... Oula, je peux mettre le jeu en pause, apparemment. Très bien. Très bien, très bien. Astuce. La pause ralentit le temps en jeu. Cela vous permet de réfléchir à la situation. Ah ouais, d'accord, carrément. Donc là, par exemple, on a un nouveau point. Great. This is a stone of life. It can be used whenever I need to restore vitality. Alors ça c'est pour me soigner, d'accord. Très bien. Quitter le site du crash. Oh, comment je vais faire là pour Oh merde. Oh non. Soigne-moi. Nickel. Ah, ça a l'air compliqué quand même. Hein. Je sais pas ce que c'est ce truc, on dirait une sorte de champ de force. Les minerais énergétiques utilisés pour réparer les couches blindées endommagées et recharger les sous-systèmes de la combinaison. Pierre naine utilisée pour améliorer la combinaison. D'accord. Ah mais ils m'ont déjà repéré les mecs. Oh merde. Je peux pas attaquer au corps à corps en plus. Enfin toi prends ça. On va attendre que ça revienne. Oh non. Au secours. Nickel. Je peux pas les fouiller les mecs, apparemment non.
Réparer la combinaison spatiale. Alors, comment je fais? Comment je fais pour réparer ma combinaison spatiale? Ça, c'est encore toute une histoire. Ah, ça doit être là. Pierre runique, utilisée pour sauvegarder la partie. Alors, c'est ça, la pierre? Ah, pour personnage. Les couches blindées de la combinaison protègent leurs habitants. D'accord. Des minerais énergétiques sont nécessaires pour la réparation. D'accord. Très bien. Alors, comment je la répare? Comment je la répare? Lampe torche. Ça, je peux pas le mettre, apparemment. Il me faut des points, mais je ne les ai pas. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Trouver le cristal de communication. Ah, on peut sauvegarder aussi, regardez. Par contre, t'es obligé de revenir, d'attendre que ça s'affiche. Hop, on va sauvegarder. Ça marche pas. Ah, ou alors... Ah, c'est parti enregistrer, c'est bon. Hop. Anybody alive there? I repeat. Les survivants ici, je répète, les survivants ici. Ok, donc ça c'est genre des... C'est le moment de bouger maintenant. Ah, on va y aller, t'inquiète frérot, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui est plus solide que l'acier, plus dur que la pierre et plus chaud qu'une étoile flamboyante? La volonté d'un nain. D'accord. Posture spatiale, minerai énergétique, la pierre de vie... posture spatiale, non, programme spatial, pardon. Excusez-moi. What? This is Second speaking. Is anybody alive there? I barely survived the emergency ejection. Our ship got in some gravitational anomaly and got stuck hovering in its field. I wonder what caused that anomaly. I have no idea. We should get together and find the source of that anomaly. Where are you? Can you get out? I don't know. I need to find some high spot and take a look around. Over and out. Oh, j'ai une hache. Ouh, j'ai même deux haches. Ça, c'est génial, ça. Quitter les lieux de l'accident sans vous faire remarquer. Ah. Bah, très bien. Mais alors, déjà, j'aimerais me déplacer. Voilà, super, merci. Senseur. Ouais, mais ça, ils me l'ont déjà dit tout à l'heure, en fait, les gars. C'est-à-dire, au bout d'un moment... Ah, mais je peux pas attaquer. Ah si, ça, j'appuie sur A. Tu es le garde. Nickel. Scaler la racine et jeter un œil aux alentours. Oh, il m'a fait mal de ouf. Second, we got some system of cascade swamps here. Huge roots everywhere. I think I can use them to get out of here. But my suit is out of whack. Try to find some pieces of energy ore from our fuel compartment. You can use them to repair your spacesuit. And if you find some star crust, you'll be able to fix the broken armor and reactivate disabled subsystems. Good luck. Attendez, ils viennent pour m'attaquer là. I'm at the entrance to a network of some narrow caves. Ils m'ont pas vu. Ah, mais si. I'll try to explore. Mais il va m'éclater. Mais il va m'éclater.
Mais au secours. Laissez-moi partir. Je peux pas parce que je suis en état d'alerte. Mais non. J'attends. Reviens là. Il revient là. Mais où est-ce qu'il va? Mais comment il a fait lui pour aller? Ok. On est en attente là. Je peux pas l'attaquer plus que ça, mais il a combien de vies encore? Voilà, nickel. Rassembler les ressources. Waouh, mais elle est immense la zone. Le tourbillon. Ok, j'ai un nouveau coup spécial que je vais pouvoir utiliser pour attaquer plusieurs ennemis en même temps apparemment. Ok. Nickel. C'est quoi ça? C'est des ressources ça? Ah, c'est peut-être les ressources que je dois récupérer. Yes, c'est ça. Oh merde. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cri de guerre, j'ai un truc cri de guerre. Faudrait que je teste, voir ce que, à quoi ça sert. J'ai pas besoin de me soigner. Là, j'ai plutôt bien géré, je trouve. It seems like these creatures can move along the swamp surface. Oh non! Mais non! Oh merde, j'avais pas vu! Oh mais non! J'ai foncé droit dans le marais, putain. Oh, je suis où? Oh non, je dois tout recommencer sérieusement là, par contre? Oh putain, quel enfer. Oh, je dois tout recommencer, sérieux. Allez, on y va. Là, on va se soigner direct. Là, on va attendre. Là, tu vois, je vais devoir quand même tous les buter parce qu'ils sont en état d'alerte ou je sais pas quoi. Ah non, c'est bon. Mais non, bah ouais, bah voilà, je l'avais dit. Donc, je suis obligé de tous les buter, putain. Quel enfer. Mais fais-le! Mais attaque-les! Mais attaque-les! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ma touche qui marche plus ou quoi? Attendez, ma touche elle marche plus ou quoi? Mais non! Mais il veut pas les attaquer! Mais il veut pas les attaquer! Oh non, c'est quoi cet enfer? C'est quoi ce bordel là? Laisse-moi partir! Voilà. Il est mort, il s'est fait tuer par son pote apparemment. Ah, il est pas mort encore. Oh non, genre. Voilà, nickel. Bon, ça c'est un peu de l'arnaque là, ce qui vient de m'arriver hein. Il voulait pas l'attaquer. Hop. Mais à côté de... Voilà, nickel.
En fait, ça c'est de l'eau, c'est ça? Non, c'est les marais. Faut pas que je m'arrête dans les marais en fait. Faut pas que je m'arrête dedans parce que sinon je suis mort. Ok. Donc tout à l'heure, je me suis arrêté dedans, j'aurais pas dû. En fait, là, normalement, je peux sauvegarder, mais j'ai pas sauvegardé tout à l'heure. Du coup, ça m'a abusé. Ah, mais non, c'est pas là que je peux sauvegarder. It seems like these creatures can move along the swamp surface. Oh merde, what the fuck? Faut que je les attire et après que je les bute. Oh là, nickel. Est-ce que je peux aller par là ou pas? Ah, faut pas que je m'arrête, faut pas que je m'arrête, faut pas que je m'arrête. This ability is not affecting the swamp. Capacité n'a aucun effet. Ah bah super. I see a cave network on top of this route. Un réseau de cavernes au-dessus de cette racine. Ouais, mais faut que j'aille là-bas parce que là-bas il y a des ressources. De fait, il lui est arrivé quoi à elle? J'ai pas compris ce qui lui est arrivé. Est-ce que je peux aller par là? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Je n'ai pas l'impression. Par contre, il y a un truc là pour sûrement level up mon perso. On peut sauvegarder. On peut également regarder un petit peu ce que je peux faire au niveau de mon truc. J'ai toujours rien. Super. Bah écoutez. Allez, on repart. Il me manque du coup une ressource. Je ne sais absolument pas où la trouver. C'est pas grave, on va chercher. Ouais, on va monter là où il y avait la racine. Là. On m'a dit comme quoi je pouvais aller là-bas parce qu'il y avait la racine, donc on va y aller. Je me soigne un peu. Ça se trouve, c'est là que je dois aller. Oh non, non, non! Putain. Bon, normalement, j'ai sauvegardé juste avant. Yes, nickel. Bon, c'est pas grave, on va aller là-bas. Au moins, on sera tranquille. Je sais pas pourquoi. En fait, mon perso, il s'est arrêté une seconde et du coup, il est parti en steak. Alors, du coup, faut vraiment pas s'arrêter quand on est dedans, quoi, parce que sinon, on est mort. Allez, 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 allez. Non, mais gros, c'est un scandale. C'est n'importe quoi, en fait. Genre, je l'ai fait tout à l'heure. Pourquoi je peux pas le refaire? Tu m'expliques ou pas, là? Je dois monter là. Je cherche le dernier matériau, mais la dernière ressource, mais je la trouve pas. Collecter toutes les ressources nécessaires pour continuer. Frère, je la trouve pas la dernière, je sais pas où elle est. Faut chercher un truc bleu quelque part, mais alors je ne la vois pas. Peut-être qu'il faut aller par là à droite là. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être par là, hein. Je suis pas allé par là. Y'a rien, y'a rien du tout. Il n'y a rien du tout par là. Oh là non, attendez, retour. Oh, c'est quoi cette merde? Mais ça marche pas! Mais c'est quoi cette merde? Ça ne marche pas! Venu du ciel, c'est quoi ces trucs 15h44? C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Attendez, mais il y a un scandale là. Il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est bon, ça va aller mieux là. Putain. Ouais, je le fais qu'il était là. Sérieusement, je l'ai pas vu. Sérieusement, je l'avais pas vu. Et au milieu du passage quoi, s'il te plaît frère.
Là, on a eu chaud. Hein. Juste voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et le Y, il me servait à quoi déjà? Ah, il a forcément un dash. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et collecter toutes les ressources nécessaires pour continuer. Mais gros, j'ai continué en fait. Merde. Quand même. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va s'arrêter là, hein. Comme d'habitude vous connaissez un petit peu, le... on fait toujours environ 15-20 minutes, donc là ça fait environ 20 minutes à peu près, donc on va s'arrêter là, du coup là on était sur Dwarf, We Are The Dwarf, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse avec les dernières paroles, et puis si vous voulez jouer à ce jeu, n'hésitez pas, il est... sur Steam pour la somme de, attendez je vous dis ça tout de suite, pour la somme de 14,99€, voilà. Allez, sur ce bah, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Tchuss tout le monde, salut.